Un autre enregistrement, comme ça c'est nickel. Ça va bien, dit Torota, après une fin de journée de folie hier. Oui, non, mais c'était communicatif. Elle était bien la bonne ambiance. À vous écouter en mode radio, moi je rigolais dans ma cuisine. C'était bien. Alors, c'est où que j'ai des quêtes secondaires? Ah oui, il y a le coup de Troy, allez voir la. Ah oui, mais ça, c'est la quête principale, ça. Oh, on peut aller voir tout de suite et puis. Ouais, je crois qu'ils sont en contrebas. Hop là. Il y a trop de trucs en verticalité, il y a trop de choses. Du coup, je sais pas à quel étage il faut que j'aille. C'est pas cool. Du coup, je vais abandonner la quête principale là parce que c'est illisible. Ah. Alors, la quête de la flotte, c'était pas trop compliqué, je crois savoir. Oh punaise, attention aux accidents de cuisine. Après, on va dire que c'est notre faute. Et on t'a fait trop rire. Non, ça va. Ça va, ça va. Mais c'est vrai que ça pourrait se produire. Bah, je me souviens d'un témoignage sur internet. Il y avait une Québécoise qui avait dit, en écoutant les 2 minutes du peuple de François Pérusse, elle avait failli avoir un accident de voiture parce qu'elle l'écoutait à la radio. Mais elle s'est tellement fendue la poire sur un de ses sketchs qu'elle n'arrivait plus à tenir son volant. Et je sais plus dans le détail ce qu'elle disait. Elle parlait d'une histoire de stop and go. Ça doit être un stop en fait, marqué l'arrêt dans le code de la route québécois. Mais elle s'est loupée en fait. Elle aurait pu se faire emboutir. Alors ça s'est pas produit, mais là il est chaud. Oh la vache, la morgue en bas, vous avez vu? Tous les cadavres bâchés. Dur. Tiens, si je lance la bonbonne sur le bras zéro, boum, non? Oh, j'y arriverai pas. Non, c'est trop lourd. Ah, pas loin. Hop là, je prends. Oh là, il y a plein d'appart à visiter ici. Bayoul. Oula, il y en a du monde. Il y a du monde au balcon, mais là c'est dans le sens premier de l'expression. Je n'ai point de décolleté généreux dont je viens vous parler. Quelle chute. Le décor est magnifique. Je ne m'en lasse pas. Regardez-moi cette architecture. C'est beau. Vous croyez que je peux sauter sur les panneaux solaires? Merde, j'ai loupé mon saut. Oh merde, merde, merde et merde. Je suis même pas parvenu à sauter. Oh. Pas mal. C'est un cyprès, je crois. Attendez. Ah non! Vous avez vu, il n'y a pas de physique. Je suis passé au travers du panneau solaire. Ah merde. Dommage. Et dommage. Il n'y a pas de zombies? Ah, pas de zombies. Bon bah. Calling your name,
Collignonet. Collignonet. Pam 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 pam. Oh, encore un thermostat. Un thermostat mural. On voit des grilles au niveau des rues, là, au niveau des ruelles. Oula. Remarque, j'aurais eu le temps de fouiller le sac. J'ai eu le temps de fouiller le sac. Hop là. Oh merde, il y a trop de monde. Oula là là. Alors, les vandos, ça se passe où? Oh, il y a trop de monde. Ça se passe là-bas au loin, j'ai l'impression. Je repasse par les toits ou pas? Non, ça va. Ah, il y a des petites voitures de police, là, déverrouillées en temps voulu. Je m'amuserai à ça un peu plus tard. Je prends des whisky, je prends des whisky. Oh, elle est coriace là, madame. Ah, oh, tiens, de la thune. C'est quoi? C'est ici la flotte? Ah. Attends, je vais fermer la porte parce que je voudrais pas qu'ils me mettent le grappin dessus. J'aimerais me faire oublier. C'est ça? Oh. Sérieux? Ah? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. On entend de ces trucs. Ça m'inspire pas confiance. Comment ça? Mais quel est cet endroit? Attendez, j'ai découvert par inadvertance un... Il y aurait des survivants? Pourquoi il y a une fusée éclairante? Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh, tant de mystères. Waouh. Oh la vache. Ah, je sens que je vais finir dans les eaux putrides. Ouch. Le mec, il jette son grappin sur le panneau électrique. Le gars... L'horreur. Attends... Bah merde alors. Non, bah je vais y aller. Parce que là, je comprends pas. Pourquoi j'ai ça, moi? C'est du délire. Putain, du crochetage en apnée. Respire, respire. Reste zen. Dans ces eaux dégueulasses... Oh, que c'est bizarre. Il est mort-mort ou... Oui. Il est mort-mort ou il est mormon? Ah bah c'est ça, c'est la quête de la flotte. Bah oui, c'est une valve. Oh, c'est une épreuve de force. Faut bourriner comme un excité, la tout touche. Pour que ça fonctionne, qu'on ait la douche. Oh et oh! Double décapitation. Double décapitation. Mono décapitation. Aïe aïe aïe. Ce jeu n'est pas scripté du tout. Oh les salopards. C'est des quicks. Alors là c'est complètement scripté la preuve. J'ai pas de butin sur les cadavres. Je n'ai pas de butin au niveau des cadavres. Waouh. Je pourrais sortir par là, c'est ça?
Bon, j'y vais, voilà, à coup de pied, parce que si c'est pour bousiller mes lames, mes armes, non merci. Ah, tiens. La 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 la. I wanna give you up. Get dusted and dust up to go. Attends, j'essaie, voilà, que je réussisse le crochetage. La 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 la. I wanna give you up. Oh yeah. Ouais, faut retourner à la flotte parce que ouais, il y a pas de. Est-ce que je peux faire mon Tarzan avec la? Non, je peux pas avec le grappin. Ça aurait été rigolo. Aïe aïe aïe. Burk. Papali papalapou. Palalalou. Alors, une fois que je suis là. Ouais, mais par rapport au douve, je suis. Attends. Non, bah non. Ouais, non, c'est pas cool. En fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que la planche est. Merdôme! C'est pour ça que la planche est à un niveau intermédiaire. Voilà. C'est pour que Crane puisse se barrer. Bon, bah, on a fait. C'est totalement scripté. Totalement. Attention! Voilà. J'étais bien content d'avoir une bonbonne. Au niveau stratégie, c'était cool. La porte est fermée, ça va. Ah bah. Il y a un cadeau d'offert. Par contre, il y a du monde qui m'attend à la sortie. Il y a du peuple dehors. Oh non, l'autre il m'a pété le crochet. Oula, il se passe des trucs. Quoi? Qui c'est qui m'a rejoint et comment? Mais la porte était fermée. Ils ont ouvert la porte? Mais non. Bah. Oh, j'ai un soupçon de bug là. Parce que je vois pas comment le zombie a pu me rejoindre. J'étais censé être peinard dans les sous-sols. Ouais, bon, je prends le top walk par défaut, mais. Bizarre cette histoire. Là, normalement, j'aurais pas dû me faire. Un petit crochet en cadeau. Oh! Oh là 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 là. Calmos les excités. C'est bon? Non, c'est pas fini. On se calme. Ça y est. Eh ben dis donc. Alors, j'ai une vanne par là-bas. Bap. Merde. Oh non, un vomito. Ah, ils sont chiants, les vomitos. Ouais, je veux bien. Ah merde, je peux pas... Je pensais pouvoir la gripper. Allez, j'en ai marre de rester dans la rue parce que... Il me déboîte tellement joyeusement que ça devient injouable. Oh non.
Non, il n'est pas mort. C'est bon, il est mort. Donc j'en étais à... Ouais, ouais. La la. Mmh. Quel est le plus proche d'ailleurs au niveau des deux points de... Ah bah. Ah oui, celui-là est beaucoup plus proche. Et il y a plein de caisses, il y a même une quête secondaire juste devant. Oh là là. Mais doucement, doucement, attendez, je vais... Alors lui, il va falloir que je monte. Attends, non, mais non, il est vivant lui. Excuse-moi mec, j'ai failli t'agresser. Écoute-moi bien, j'ai pas le temps de t'écouter mon gars, désolé. Je te snob, je te mets un vent. Parce que j'ai des objectifs bien plus intéressants, comme un vendeur. Bonjour monsieur le vendeur. Non, vous êtes pas vendeur? Mais c'est scandaleux. Je veux du matos, s'il vous plaît. Oh non. La configuration des lieux ne me plaît pas. La configuration des lieux ne me plaît pas. Tagada soin de soin, zubizuba. Oh oh. Et danger. Ouais bon d'accord. Oh. Bouc, bouc, bouc. Ah, petit câble pour aller dans la bonne zone. Ah, quarantaine. Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a encore qui sont défenestrés. Oh mon dieu, un zombie ninja qui abandonne. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Bizarre. C'était surréaliste. C'est moi ou il y a un incendie en cours? On dirait que ça crame. Mais ça crame. Oh là là. Quelle tristesse. Alors attends, l'objectif était pas loin. L'objectif n'était pas loin. Tagadagada. Oh, oh. D'accord. Ah, alors c'est les gars de Rice et ils sont mis dans une mouise monumentale. Pas malin. Ah bah tiens, j'ai un câble tendu. Oh la vache. Ah, tiens, tiens. J'ai vu. Ah bah elle est tombée. L'excité était parti pour me rejoindre, et puis finalement elle a renoncé, on va dire. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. La la la. Oh, cool. Cool, cool, cool. Un peu de miam. Un peu de miam. Oi, oi, oi. Attends. Mais j'ai perdu mon... Attends, je comprends pas. Ah, mais je tourne en rond. Mais j'ai complètement merdé mon orientation, moi. Je suis pas là où il faut être. Non, le truc a l'air d'être là-bas. Au niveau de la flotte. Ah, attends, faut que je descende, du coup. Ah bah, bien. La disposition des lieux est vachement cool. La voiture de police. Ouch. Merci le gyrophare. Alors, ça se passe par là-bas. Wow. Wow. Ah, sympa le coup des fortifications là. C'est beau. Ah, j'ai le temps de faire le coffre. Ouais, il est pas verrouillé, j'ai le temps. Ou pas. Ah!
Voilà, j'ai pris la bouteille d'alcool et je me barre. Au revoir. Alors, la flotte... Quoi? Ça clignote comme un fou. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est quoi, ça? Attends. Ah, c'est un mec de Rice. D'accord. Merde. Mon souci, c'est que je suis blessé et que mon arme est pétée. Donc ça ne va pas du tout. 1, le soin. 2, l'arme. Merci. Attendez. Non, l'arme, alors, finalement. Attendez, je me baisse. Je me soigne. Avant qu'ils arrivent. Oh, j'ai pas eu le droit à faire mon revers. On n'en parle plus. Donc, les gars de Rice, ils sont en face là. Je crois qu'ils ont eux aussi leurs zombies. Oh oh. Oh merde, ils se relèvent. Non. Ne te relève pas. Quoi? Ah, c'est ici que ça se passe. Ah, c'est ici que ça se passe. Bah, par inadvertance, j'ai trouvé l'endroit où je devais me rendre. C'est pas plus mal. Oula, il fait sombre. Il fait giga sombre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Toi, explose. Allez, boum. Attends, ma passerelle est pas grande. Faut que je passe le con. Allez! Vive le grappin. Sans le grappin, à mon avis, tu peux pas. On reste zen. Oh. J'ai pas aimé, là. Non, il y a un colosse. Bah. Il serait au-dessus de moi. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh merde, la valve, elle est là. Mais le problème, c'est qu'il y a du jus. Alors, où est le panneau de contrôle? Derrière toi, m'en parle pas la Razmoquette, m'en parle pas. Mais il y a un panneau de contrôle quelque part pour qu'il n'y ait plus d'électricité là, parce que je suis pas là pour me faire une Claude François. Le coup de pied, je sais même plus comment je fais. Oui, c'est comme ça. Là, c'est le petit cadeau bonus. Je vais prendre ça, hein, toujours ça. Ah! La 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 la. Ah, une petite machette. Oh, c'est quoi cette planche de bois qui vole? Bref. On n'a rien vu. Alors, comment je fais mon... Mais c'est pas vrai. Attends. Ce serait en face. Ah, peut-être. Non, c'est pas là. Bizarre. 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 You. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il y a rien là. Merde alors. C'est pas ici?
Apparemment si. La 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 la. Ok. Ah, alors, normalement j'ai stabilisé le... J'espère avoir stabilisé l'électricité. Apparemment ce serait bon. Ah, Burke. Voilà, c'est cool. Allez, push, push, push. Allez, épreuve de force à la Fort Boyard. T'as la clé, sors, sors. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas un truc à farfouiller dans les eaux putrides, là. Enfin, elles sont moins putrides que les précédentes. Je dois avouer que le... C'est un peu plus clair au niveau de la flotte. Non, je crois qu'il n'y a rien. Ah, problème de modélisation. Nous avons un échafaudage en lévitation. Je suis méchant, hein. Là je vais vraiment chercher le détail. Mais non, le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique. Tiens, il y a la ventilation. Alors c'est scripté comme dans l'autre, je vais avoir des zombies qui vont me tomber dessus de manière totalement gratuite ou pas. Ah, j'ai cru à une bouteille. Non, visiblement j'ai pas de. Bon, ça va. Bon bah il reste plus qu'un près de l'hôtel de. Alors les gars de Rice, je pense qu'ils ont mal fini. Oh merde. Allez, va mourir toi. Casse-bonbon. Oh non, mais c'est pas vrai. Grappin pour aller en face. Hop là. Donc je crois savoir que les gars de Rice sont morts. Ah non. Attends. Ah non, ils sont en bas. Sans déconner, sans déconnade. Bien. Oh, il joue. Oh, quelle horreur. Je m'attendais pas à le quick aussi nettement. Bon, avec un peu de chance, je vais être peinard. Ah, presque. Non, c'est par là. Bon, crochetage intermédiaire, la récompense est moyenne. Hein. C'est évidemment par... Ah non. Ah non, non, non. Non, c'était très généreux. Bon, je m'attendais à un truc... Moi, je n'ai rien dit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, la suite, elle est par là-bas. Sachant qu'il y a une autre caisse de parachutage. Oh, il y en a plein, en fait. Il y en a une par là-bas pour moi, si j'ai bien compris. Non, il y en a une. Oh, trop bizarre. Quoi? Ça court sur la... Je les ai vus courir sur la rive opposée. Oh, le bordel. Oh, il a essayé de me choper. Oh la vache, il y en a du monde. Aïe, 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 aïe. Et puis au milieu des zombies, c'est pas cool. De l'importance de bien trouver son accroche pour... Oh, il y a un truc là, c'est obligé. Bah, pourquoi je peux pas y aller? Bon, je me barre parce que là, il y a du monde. C'était trop bizarre là, j'ai pas compris. Elle est où la caisse? Parce que visiblement il y a une caisse dans le coin. Ah, il y a une ambiance à la Resident Evil. On se croirait un peu dans la Raccoon City. Un petit peu. Ah, elle est là la caisse de Rice. D'accord, donc faut que j'élimine tous les zombards. En plus avec un fourgon de police en cadeau.
Je dirais pas non, mais... Ah, attends. Si je pouvais aller sur le lampadaire... Merci. En toute discrétion. Ouh, je vais avoir chaud parce que comme je suis à la verticale des flammes, je m'offre le chauffage. C'est horrible. Ça n'a pas l'air super efficace. Je vais essayer les électriques. Allez, coup de foudre entre vous. Le coup de foudre. Et chez l'amour. Ah, l'autre, quand elle a hurlé, elle a appelé... elle a attiré plein de monde. Merdoum, c'est pas cool. Merdoum. Oh non, je ne suis pas excité. Va mourir la super excité. Ouais. Ah, je peux pas les atteindre. Ah, super excité. Allez, viens, au lieu de gesticuler comme excité de mes deux. Voilà, viens de battre. Allez hop, quick. Je sais pas si me les faire au katana, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Allez, au suivant. Non, c'est pas bon. J'ai pas assez d'endurance. La voiture pourrait peut-être m'aider. Oh, ça me demande trop d'énergie. Ah, pas mal. Mmh. Oh, joli. Ah, je crois que c'est la bonne astuce. Merde, mon arme est pétée. Ouais, Walking Dead, ouais. Mais tu vois, j'ai libéré la rue. Ils ont pas gueulé, j'ai pas fait de bruit, et hop, maintenant la rue est à moi. Donc j'ai le temps d'y faire mes affaires, ce qui m'arrange bien parce qu'il y a du matos. Oh, presque. Hein? Ah, il y a un zombie qui s'approche. J'entendais pas. Retourne-toi. Qui c'est que j'entends? Ah, c'est eux que j'entends. Merde! Pas assez d'endurance. J'ai pas pu faire mon coup de katana inversé. Oh, vache. Merci. Alors, hop là. Donc, le fourgon. Ah, oh, amélioration d'armes. Quand je vais casser mon katana, je vais le pleurer, hein, parce que... Bon, la valisette de Rice, d'ailleurs, je peux dévaliser les cabines téléphoniques. 18$, 17$, une excité qui m'a repéré. J'espère qu'elle va pas attirer du monde. Arrête d'hurler, ma grande, tais-toi. Où est-ce qu'elle est? Non! Tu ne hurles pas! Ah. Et merde, il y a du monde qui a entendu. Ce ralenti sur la découpe nette du zombie, ça fait peur. Oh là 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 là. Ah!
m'a fait peur. Alors lui, il m'a eu en toute beauté. Vache. Pas chiant du tout. Donc, j'en étais à une troisième cabine de téléphone. Oh non, mais non, mais... Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, et 17$. Là, j'ai même une corbeille. Oh, mais oui, mais attends, il y a tous ceux que j'ai trucidés, là, que je... J'ai la récolte à faire. Et j'ai bourré la touche de ramassage de Loulout. Eh oui... On t'a pas entendu. Oh. Ouais, non, je peux pas y aller. C'est mal... Là, ils l'ont mal modélisé. Donc, la caisse de rice, on va y arriver. C'est pas comme si la nuit est en train de tomber, en plus. Je vais me retrouver avec des rapaces. Ah, bijoux volés, caisse humanitaire. Cool. Magnifique. Allez, je reprends les hauteurs parce que le crépuscule s'installe et de nuit, dans la rue, je serai un homme mort. La vanne près de l'hôtel. C'est pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté. Oh vache. Non, attends. Est-ce que je peux aller de côté? Oui, je peux. Ah, il y a encore une caisse en contrebas. Ah oui, elle est là-bas. Ouais, tu parles. Sur la place publique, là où il y a 50 zombies, bien sûr. Alors la caisse là, croyez-moi que je vais la faire en dernière. Ah, ça nous change des HLM. Hop là. Quelque part par là-bas. Oh non, il y a une grande artère à traverser. Ça ne m'arrange pas du tout. Ah, il y a les loustiques. Ah, ils sont là, je crois. Non ? Ouais, ils sont là. Alors, on va rigoler. Sans déconner. Sans déconner. Salopard. Putain, mais il est encore là. Incroyable. Il a l'air de bien s'en sortir. Il a l'air de bien s'en sortir. Pas mal. Ah, il est juste en dessous de moi. Je sais pas si on arrive à le voir. Il va finir par céder là. Il est en train de s'épuiser à se prendre des mandales. No!
Pour une fois que c'est nous qui sommes spectateurs dans l'arène, ça fait plaisir d'inverser les rôles. Ah, il est endurant, le mec. Il est endurant. C'est limite si je pourrais pas descendre me servir dans la caisse le temps qu'il se bat à Henrix avec les excités. Ah, ils sont deux. Il a été rejoint par un confrère. Eh ben... Je les flambe, je les électrise, je fais quoi? Non, si je fais ça, je leur donne avantage, j'ai l'impression. Ah, il est mort. Oh, bah alors, il a failli me rejoindre et il s'est tué. Ah bah elle est bonne celle-là. Bah c'est bien ça, me faire une caisse bonus. Ah bah, elle est tombée sur la caisse. Attends, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Oh. Oh. Comment qu'elle s'est décapitée, la malheureuse? Alors, la bagnole. Faut pas que je tombe sur un rapace, sinon je suis mort. Merde! Ah non, va mourir, toi. On veut pas t'entendre. On veut pas t'entendre. Oui, je sais, il peut y avoir des rapaces. Ah merde alors, pourquoi je peux pas ouvrir la caisse? Ah. Il y a ça, il y a un fourgon de la police qui m'intéresse. Bon, tu me diras, s'il y a un rapace, j'ai en hauteur, j'ai une planque à proximité, toute proche. Attends, je vais éteindre ma lumière parce que... Encore que... Ouais, non, il y a trop de monde. Ah. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, c'est des DAB, des distributeurs automatiques de billets. Bon, allez, je me barre sur les toits parce que là, de nuit, c'est la mort qui m'attend. Ouais, je vais aller dans la... Oh là ! Mauvaise chute. Pas bonne la réception. Avec les lampes UV, ils sont pas prêts de m'atteindre. Non, je veux pas. Wouh ! Ah, ça fait plaisir d'avoir un... Vers les égouts. Quoi ? Vers les égouts ? Je veux y aller. Alors là, je suis intrigué. Je peux me barrer vers les égouts, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bah merde alors. Ah, c'est fini, y a plus rien.
la 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 la. Ah, je peux fermer la grille. Mais c'était par là que j'étais arrivé, moi. Mais je me souviens. Mais oui, c'était mon point d'arrivée par rapport au bidonville. Je reconnais les lieux. D'accord. Mais oui, il y avait un truc de recherche là qui était planqué. Ah. Je suis revenu sur mes pas, en fait, par inadvertance. D'accodac. Mais je peux vraiment revenir dans les égouts? Oh! J'ai failli zapper une statuette. Non, il n'y avait rien dans, dans les poubelles. Là, il y avait des pièces métalliques. Non, je peux revenir dans les égouts. Elle était où, la porte? Je vois Chavoir. Ah, c'était par là que j'étais arrivé. Waouh. Et je pourrais revenir dans les bidonvilles. Comme si de rien n'était, entre grosses guillemets. Ah oui, il y avait du matos ici, je me souviens. Il y avait du matos. C'est d'un calme. Ça en deviendrait presque angoissant, ce calme. Waouh. La 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 la. Da di do do di do da da di da do da di do. La 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 li lou li li lou lou la. Ah oui, mince, je suis reparti dans le... Donc, si je vais vers cette porte, normalement, avec un appui long, il va me proposer de retourner dans les égouts, c'est ça? Ah non. Ah non, c'était ça. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est bien les égouts. Je pourrais revenir en... dans l'autre partie d'Aran. Ok. Oh, c'est sans sas. C'est sans sas. Bon, je vous avoue que je vais pas le faire maintenant, mais si j'avais un petit moment de nostalgie au niveau du bidonville, mais d'ailleurs, il faudra que j'y retourne tout simplement pour les zones de quarantaine. Il faudra qu'à un moment, je me dégage sur peut-être un mois, deux mois dans le calendrier, parce qu'il y a plusieurs zones de quarantaine. Je sais pas si je peux les interpeller dans le menu et m'y téléporter. Parce que les zones de quarantaine, je veux les faire aussi, mais uniquement deux soirées et direct. Enfin, je veux dire, je les ferai pas en direct Twitch, je les déposerai sur YouTube. Parce que c'est des défis particuliers, c'est pas le même rythme de jeu. Donc, je trouve pas qu'il y a un intérêt à ce que je vous le fasse en direct là. Pardon. Oh mince. Ouais, je retourne en ville. Oh, problème de digestion, moi. Là, ma dernière gorgée de café au lait, elle passe mal. Pardon. Tiens, j'ai regardé mon téléphone. Oh, ça va, y'a rien. Oh là là, il est déjà midi quasiment. Je crois que je vais me manger des croque-monsieur avec salade de concombre. Ça va être bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant de cuisiné hier. Vache. Je dois avoir 4 plats d'avance, si je dis pas de bêtises. Je suis tranquille jusqu'au début de la semaine. Alors...
Qu'est-ce que c'est que ce coffre? Oh, t'as un technicien internet qui est d'accord, qui est censé être dépanné et qui arrive pas à trouver le... Bah bon courage avec ça, la rase-moquette. Bon courage avec ça. Qui doit m'installer la fibre depuis le 1er mars, mais apparemment toujours le même problème. Malheureusement, les installations de fibres, en fonction des scénarios, ça peut vraiment mal tourner. J'ai eu un cas où le client était passé de l'ADSL, donc au cuivré, vers la fibre, et en fait, il était perdant au change. J'ai eu un cas unique comme ça, où il perdait en débit. Ce qui est totalement contradictoire, mais pas de bol. Pour des raisons techniques particulières. Il était perdant au change. Oh la vache. C'est le quatrième qui se pointe, d'accord. Là, je vais leur dire qu'ils aillent jouer ailleurs, ouais. Enfin, oui, tu vas dans une autre crèmerie. Oui, bah, c'est peut-être ce que t'as mieux à te faire, finalement, Rasmoquette. Malheureusement, t'es peut-être condamné à ça. Je m'éloigne de ma cible, moi. Faut que j'arrête mes âneries. Le magnifique accueil. Ah, m'en parle pas. Oh, oh. J'ai fait... Merde, je me suis fait repérer par un... Oh oh. Je me suis fait repérer par un... Un rapace. Oh merde, oum. Au niveau de la poursuite, ouais, c'est pas cool. Ah, pas bon. Je suis mort. Ah non, mais les rapaces, ça craint. Les rapaces, ouais, dommage, ouais. Les rapaces, ça craint. Bon, je ne quitte pas de vue mon objectif. Sympa l'entrée de l'hôtel. Il faut carrément un tapis sur le trottoir. Un tapis nous sur le trottoir. J'évite de mettre la lampe torche parce que si j'excite des zombies dans le coin, dont les fameux rapaces, ça va causer ma perte. Ah, j'irai bien en face. Ah, c'est l'aube. Merde!
Je l'ai passé mon sabre au-dessus de sa tête. Ce qui est un poil débile. Tiens, qu'est-ce qui est... Attends. Pourquoi je vois du vert en bas? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a en vert en bas? On dirait qu'il y a un truc, il y a un panneau de contrôle. Apparemment, c'est là qu'il faut que j'aille. Attention. Aïe, 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 c'est pété. Oh. La cheville. Ce serait là? Ah, c'est une clôture, d'accord. Yoshuina. Je te tiens au jus. Mouah. Ratchet. Oh, il y en a du monde. Oh là 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 là. Ah, il me laissera pas passer. Non, mais là, je suis mort, là. Là, je suis mort, là. Non, non, mauvaise config. Très mauvaise config. En fait, l'endroit est super dangereux. Je vais me barrer. Au suivant. Oh, l'autre, il a fait le tour du quartier. Allez, les excités, venez. Merde, j'y suis allé trop tôt. Ils vont me coûter cher en pharmacie, eux. Oh non, il y a un mec à bonbonne de gaz. Oh, il y en a encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Non. Oh là là. Merde, j'avais oublié le palmier qui était au milieu de la placette, là. C'est pas vrai, mon katana, il coupe, là, ou il est... Il est cassé. Il est cassé. J'ai un loustique qui était... Bon, le gars Drice, tu arrêtes la déconnade, hein. Je t'ai rien demandé, mon gars. Tais-toi. On survivra pas une semaine sans inhibiteur. Comment je l'ai fait gicler? Ah, il dit plus rien, là. Je lui ai cloué le bec. Alors je ramasse un truc, je décapite, je ramasse un truc, je décapite. Parce que autant qu'il reprenne son... qu'on appelle ça son endurance, que je puisse bien frapper mes adversaires. Voilà. Oh non, mais non, mais... Je croyais que je l'avais zigouillé, moi. Bon. L'heure de la récompense est venue. J'arrive enfin sur le dernier point de... Bah, rétablir le... La flotte, là.
Je fais le boulot de la compagnie des eaux. C'est-il pas beau? Ah, petit bug de texture, les gens. Alors, c'est là que ça se passe. Voilà, ouais, c'est à côté de la grille. Allez, c'est parti. Le dernier sous-sol où il faut gérer l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, l'arrivée d'eau. Hein? Où ça? Oh, il y a un crasheur. Oh, le vilain. Oh, oula, il y a des crasheurs. Oh la vache. Ouh, ça craint. Il est où? Ah! Aïe! Il est où le vomito? Ah, il est là. D'accord. Apparemment, ils sont... Ouais, ils sont plusieurs. Je pense que j'ai calmé et régalé tout le monde. Wouh, c'est sport, hein. C'est très très sport. Je pense que je déjeunerai à 13h et puis on se mettra une, pas une compile de clips, mais les clips au hasard. Et histoire de brasser toutes les saisons. Comme mon miam est déjà prêt. J'ai plus qu'à déguster. À mon avis, ma pause déjeuner, elle va durer qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum. On aura vite fait de se retrouver. Bah, pour encore, je pense que je... Ah, je vais peut-être changer. Je vais peut-être pas faire que du Dying Light. Je vais peut-être faire un peu de Sonic Mania. Puis c'est à 15h qu'on se retrouve chez toi, FunFan. À 15h, on reprend l'épisode commenté. Et là, je vous parlerai de Charles Cécile. Partage le repas. Ah, ce sera avec plaisir. Ce serait sympa de miamer ensemble. D'ailleurs, hein, les beaux jours reviennent. Moi, il faut que je me prépare dans la quinzaine à préparer mon matériel pour les promenades. Que je vous fasse les promenades en vrai avec Nayonet. Et on va refaire le plateau de Malzéville. Et je veux enfin vous montrer le plateau avec de la verdure. Pas sec comme il était pour la première l'année dernière avec la sécheresse. C'était horrible. Je veux la belle verdure du plateau dans mes souvenirs. Ah, attends, il n'y a plus... Je peux me jeter dans la flotte, elle n'est pas électrifiée. On est d'accord, ouais. Ah, Burke. Doucement. Burke. Alors. Vas-y voir. Mort, j'ai interverti les trois vannes. Génial. Maintenant, il vous reste à faire la même chose à la station de pompage principale. Contactez-moi une fois là-bas. Ah... Il y a... Oh, c'est profond. Ah, il y a quelque chose. Attends. Prends... Apnée. Allez, go. Il y a quelque chose. Il y a une autre partie. Ah. D'accord. Oula. Oulala. Elle est bien encastrée, la malle. Ah. C'est peut-être à cause, vous savez, de l'explosion de tout à l'heure, là, avec ma flèche explosive. J'ai peut-être encastré des éléments du décor dans les angles, comme c'est pas permis. Et ceci explique cela, quoi. Oula, quand je vais ouvrir la malle, il y a les morceaux de bois qui vont gicler. Ça va donner n'importe quoi. Ils vont se calmer au-dessus. On les entend, les enragés, là. C'est pas croyable. Bon, bah, ça va. Les planches de bois ont giclé. Y a plus rien. Hop, et le café. Où le café? Hop, en face. Oh. D'accord.
Da-di-da-di-da-di-da-di-da-da. C'est verrouillé, je peux rien y faire. C'est verrouillé, je suis piégé. Ah ouais, ils étaient là, les vomitos. Ils étaient à leur emplacement à la noix. Les vomitos. Oh, une flèche. Ah oui! La flèche qui m'a servi à neutraliser en partie l'un des deux. L'un des deux vomitos. Vomitos. Bon, bah c'est gentil, il n'y avait rien de particulier. Je peux revenir au sec. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dans l'escalier. Pas mal, l'atmosphère est sympa. Bon, bah je peux me barrer. Oh, calmos les excités. Allez, ah non, je peux pas utiliser là aussi. Ah, pique. Oh non, il m'a chopé. Oh. Bah alors. Oh là 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 là, et ça tranche. Le téléviseur. Le téléviseur qui a servi à trucider le gars qui a été zombifié. Oh! Vous avez vu mon butin? J'ai eu un collier. Ça rapporte généralement 250$, ce qui est pas rien. Hein. Une coquette somme. Ah, c'est calme tout d'un coup. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur le côté. Ah, j'ai cru que c'était un magasin, mais non. Ça fait partie du décor. Mais... Ouais, c'est con parce que le fourgon m'intéresse là. Il n'y a pas grand monde, j'ai envie de tenter le fourgon. Allez, va mourir. On entend plein de monde derrière la haie. Hop là. Il y a beaucoup de peuple derrière la haie. Merde. Bah alors. Bah. C'était où? Ça a commencé à pivoter. Presque. Merde. Merci. Inventaire plein. Bon bah ça veut tout dire. Faut que j'aille dans une planque déposer mon butin. Il y a une planque par là-bas. J'ai un problème de wish. J'ai trop de matos sur moi. Oui madame. Allez mourir madame. Bon. Oh, c'est un policier. Oh là, et oh, oh, oh. On se calme.
Eh ben dis donc, elle a failli me croquer. Elle a failli me croquer. Oh merde, mon katana qui est déjà bousillé. Dernière réparation, je suis dégoûté. Tant qu'à faire, toujours la même mécanique. Moi je m'en lasse pas. Je ne m'en lâche pas. Voyez, encore un butin magnifique. J'ai récolté un collier de perles. Égal $250. Je rappelle à cette occasion que ma chaîne est réservée à un public adulte. Ah ! D'où il sort, lui ? Oh, lui, il était parti pour devenir un aérophagique, là, qui explose plein de gaz. Il avait on va dire, l'espèce de pustule, enfin, c'est pas le bon terme, de protubérance qui... Mais... Oh là 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 là, c'est tous les gugus derrière la haie là qu'on entendait gémir à 500%. Non, je crois que je vais abandonner l'idée d'une fouille du fourgon de police là parce que... Ils sont tellement nombreux dans le quartier que... Oh, je l'ai empalé là, madame. Oh ! Dangereux le truc là qui est vachement sombre. Bon. C'est bon? Ils sont calmés? Je les ai tous zigouillés dans le quartier? Non. Et merde. Je vais me faire choper. Merde. C'était qui par là? Non, il est là. Le zombie est là. Le zombie est là. Elle a esquivé ma lame. Elle a réussi à esquiver ma douce lame. Mais c'est pas possible, il y a un point d'apparition qui est juste à côté. Je comprends pas. Comment ils font pour apparaître aussi subitement? C'est, pour le coup, c'est pire que dans Minecraft. Bon appétit hein, pour ceux qui passent à table. Alors pardon pour le contenu sanglant que je diffuse. C'est... Voilà, c'est pas ragoûtant. Donc... J'avais compris que la serrure c'était quelque part par là. Vers les trésors. Qu'il y avait un point de faiblesse. Sauf que je ne le retrouve plus. Merde. Merde. Aïe, elle me brûle. Allez, viens, toi. Je sais que de toute façon, à terme, tu m'aurais repéré. Allez, hop. Merci. Y a plus personne, y a plus personne. Donc, je disais... Bah merde, alors. Oh. Y a... Ah. Oh, la vache. La serrure, elle a changé de config. Le temps... Attends, au secours, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a cassé le panneau là. Alors madame,
Oh, j'ai tranché en deux dans le sens de la longueur. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc aussi violent. Bon, bref. Enfin, inventaire plein, merde. Tout ça pour ça. Non. Non mais attends, je peux peut-être jeter. Oh, tiens, pourquoi ça a flambé? Il y a un zombie de feu qui a essayé de me rejoindre et qui a foutu le feu à la... Alors attends, il y a peut-être un truc que je peux... Oui, les hachettes de jeu médiéval, ça je m'en fous. Les tomahawks, je m'en fous. Les armes de jet, c'est pas mon truc, hein. Là, pareil, j'en ai 30, je m'en fous un peu. Le couperet d'abattoir unique. Non, il est pas cool. Je peux le déposer, il est pas cool. Il est de mauvaise qualité. Voilà. Ah bah merde, les balles, j'en ai trop. Oh non, mais non. Mais arrêtez. Ah, il y a là aussi. Non, il y a des bonbonnes qui se pointent. Le problème des bonbonnes, c'est qu'ils vont, faire un vacarme d'enfer. Allez, oui, va mourir. Le problème, c'est qu'ils sont deux. Regardez-moi. Voilà, merci. Allez, va mourir. Parce que les voitures de police au calme, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, normalement. Oh, vous voyez ? Oh, un portefeuille, une boîte à bijoux et un kit de soins. Cool ! Ah oui, j'ai pas fouillé les... Merde. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah, il y a des dabs. This is my dab. Mon dab pour distributeur automatique de billets. Alors, fourgon suivant. Et après, j'irai déposer, vider mes poches dans la planque la plus proche. La petite maison verte qu'on voit en bas de mon radar. J'ai perdu en dextérité. C'est une calamité. Un piolet violent. Ah, amélioration d'armes, ça fait plaisir. Oui, l'excité, je t'ai vu. Allez, viens, va mourir. Merde. Mon arme est endommagée. Non, non, non. Le couperet de la mort. Le couperet de la mort qui tue. Merde. Voilà. Merci. Il était parti pour me faire des misères. Oh, mon katana. J'ai caché le katana. Oula, et oh. Pas facile avec le grappin non plus. Attends, la planque, elle est tout en haut. Voilà. Alors attends, c'est une zone sécurisée, mais est-ce que j'ai un sac? Non. Bonjour Yuki, j'espère que tu vas bien. Ouais, mais le problème c'est que... Ouais, vers les égouts, mais non. C'est pas une planque telle que je l'entends. Ah, je suis quasiment à ma zone de mission, donc je vais y aller, tant pis, même si j'ai l'inventaire plein. Oula, oui, j'ai besoin d'inventaire plein. Attends, pardon. C'était un coup, est-ce que le truc en tissu se casse la figure? Ah. Ah non, ne me dis pas que c'est en plein dans la place publique. Je vais sauter à l'eau. Oh, oh. Mais il y a des algues dans le fleuve, enfin dans le canal.
Ouais, ça va très bien, c'est cool. Bah, ça va bien aussi, merci. Week-end, 100% plaisir. Attends, faut que je remonte à la surface parce que sinon il va... Respire, respire. À la 1, à la 2, à la 3, on y retourne. Là, il y a des ah si, il y a des poissons. J'allais dire c'est des anguilles, mais non, c'est des vrais poissons. Ah, je m'attendais pas à récolter des algues dans le canal, moi. Alors, mon objectif est tout proche. Youpi, le mec est parti sans rien dire. D'accord, ok. Oh, je te souhaite d'avoir la paix le reste du week-end, la race moquette. Allons bon. Bon, allez, tant pis, je vais dans Ok, Mort, je suis à la station principale. Et maintenant, cherchez la vanne principale. Je vais devoir jeter mon katana, moi, c'est triste, hein. Mais péter pour péter, là, je suis obligé de le démonter. Ah là là, il était magnifique. La faux verte. Que je vais fabriquer. Je vais faire quoi? Lance-flamme! Allez, un petit lance-flamme. J'ai envie de câbler. Ouais, non mais je te plains, la race moquette. Alors, Yukine, je te lis. T'as commencé ton direct en même temps que j'ai commencé mon ménage de printemps. J'étais dégoûté. Bah, alors, je sais qu'il y a toujours un plus, tu sais, d'avoir un... Comment on appelle ça? Le direct, le plaisir d'interagir avec le public et le diffuseur. Mais tu sauras que pour ma part, moi, j'archive tous mes directs sur ma chaîne YouTube. Si ça t'intéresse... Tu fais point d'exclamation YouTube et t'as le lien. Et tu pioches si ça peut te faire plaisir. C'est sûr que c'est pas le même attrait que pour un direct. Je conçois parfaitement. D'ailleurs, pour info, tiens, Nagunionek a fait la Gran Turismo. Il a pioché une Honda Beats version F de 1992. Ah, elle est dans le cinquième opus. Je classe les jeux... Dans YouTube, vous pouvez faire des listes de lecture. Et en fait, un jeu, voire éventuellement une saga de jeux, correspond justement à une liste de lecture. Donc, j'ai organisé de telle manière que vous puissiez trouver le contenu que vous souhaitez. Et n'oubliez pas non plus que dans les noms de fichiers, je préfixe toujours de la date. Qui, comme ça, d'un point de vue chronologique, vous pouvez trouver aisément l'ordre. Alors que malheureusement 90% des gens qui ont une chaîne YouTube ne mettent pas de date. Et s'il y a un truc à épisode, s'ils mettent pas dans le bon ordre, on est complètement largué. Le truc il est complètement décousu. Enfin bon, voilà quoi. 3 modules. Oh la vache. Dégâts et résistance. Allez Zou, je confirme tout ça. Pour une arme de qualité, ça va me faire un truc extra. Alors, la valve principale. Je pense que je fais la quête là, et puis si elle dure un gros quart d'heure, je vous mettrai les clips au pifomètre. Oh, ça va être de l'apnée. Parce que je commence à avoir faim. J'ai envie de croquer mes quoi comme monsieur. Ouais, ça va être une épreuve en apnée. On y va. La la la, mine-toi les fesses. Va pas te noyer, mon pauvre Crane. Qui que quoi partage. Ah, les coques, monsieur. Non, mais je t'en prie. Il n'y a pas de souci pour donner l'info, Yukine. C'est un plaisir. J'ai l'impression qu'il y a des recoins à farfouiller. Non, ah mais c'est un mec de Rice. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Alors ça pour une surprise c'en est une. Qu'est-ce que les mecs de Rice viennent faire là? Mmh.
Merde, j'arrive pas à le viser, bordel. Bizarre. Ils sont où? Ah, il est là. Merde. Ah. Aïe. Il est en face. Coucou. Je suis là. Je l'ai bien fait gicler, le mec. J'ai l'impression qu'il y en a plus. C'est redevenu calme subitement. Bon, je peux remettre la lampe torche. Ouais, le 14 juillet revisité, c'est ça. Attends, le grappin. Oh, le grappin qui a failli bugger là, j'ai l'impression. Oh là là, mais alors comment je l'ai explosé, démembré, décapité le gars. Elles sont redoutables hein, les flèches explosives. Nom de Dieu. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il dit lui? Bon app! A tout à l'heure, fan fan! Rambo! Oula! Ah, il est encore en vie? Ah, il est encore en vie, le gars! Incroyable! Incroyable mais vrai. Ah ouais, j'ai les munitions qui sont à donf. Encore un fusil. Si j'avais un fusil, bidi 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 bidi. Oh là là, ce carnage. Ah, c'est donc ça. C'est la dite valve. Pourvu que ça se passe bien. C'est fait. Morte, il se passe quelque chose? Oui, oui. L'eau est revenue. Non seulement dans notre bâtiment, mais dans tout le quartier également. Vous avez fait un excellent travail. Même la fontaine fonctionne à nouveau. Génial, Crane. Ça va être beau. Dans tous les cas, c'est mieux de boire de l'eau que des boissons énergétiques. Ouais. Tu m'étonnes. Always Coca Coca. J'ai des trucs à farfouiller par ici. Il y a des choses à... Hop là. Intermédiaire. Merde. Ouais, inventaire plein de toute façon. Ah, oh, merde. Bah. Oh, Crane. Elle avait la bougeotte, cette caisse. Il y avait quelque chose. Je pense pas. Il y a, là, je trouve qu'il y a un petit effet Tomb Raider. Je sais pas si vous partagez les mêmes sentiments que moi. Mais ça aurait pu être un niveau pour Lara Croft. Enfin, quand j'ai la tête sous l'eau, en fait.
Merde. Ah, chiotoum. Comme ça? Oui, plutôt. Plutôt. Oui, le Tomb Raider, je vais le continuer. Ouais. Quand, je sais pas. Parce que là, après sortie de table, je me vois faire Sonic Mania. Ensuite, à 15h, on va chez Fun Fan. La soirée, 18h, on fera les Bibi. Quand Fun Fan m'ordonnera mon antenne, on fera que des Bibi, à mon avis. Demain matin, je ne ferai pas Final Fantasy, je vais marquer une petite pause. On fera du Far Cry 2 en Afrique. Mais je ferai pas que du Minecraft l'après-midi demain. Peut-être que demain, en début d'après-midi, j'essaierai de refaire Lara Croft. Ouais, bonne suggestion, Christella. Je vais peut-être faire Tomb Raider 4 demain, en début d'après-midi. Histoire de pas trop perdre le fil de l'histoire. Je crois qu'on va faire comme ça, ouais. Bonne idée. Goûter l'eau de la fontaine. Ah bon? Le mec, il s'improvise goûteur. Le goûteur. Oh, ah bah alors. Oh là là, je vais me jeter dans la rivière avec un tel comité d'accueil. Parce que sinon, ils vont me faire la peau joyeusement. Tiens, une barque. J'aurai la paix sur une barque. J'espère. Allez, grappin. Ah, tiens. C'est quoi ce recoin? Oh! Non! Des sanitaires publics? Déconne pas. Ah! Il m'a fait peur! Il m'a foutu les jetons! Il m'a foutu les jetons. Oui. Les jeux athlétiques de Aran. Où est-ce que ça mène? Égout? Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Bonjour le Baron Live, j'espère que tu vas bien. Nayonadi. Mais Tomb Raider, c'est un TPS, pas un FPS. Le mec qui met son grain de sel. Une barque, met la confiture dessus et mange le goûter. Ouais. N'importe quoi. Je peux plonger? Ah ouais. Ouais, mais y a rien d'intéressant. Enfin, je crois pas. Ah si! Hé! Hey, incroyable! Y a un accès sous-marin. Bah merde alors. Y a un accès sous-marin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Je rejoins le canal. D'accord. Ah ouais. Goûter l'eau de la fontaine. Allons bon. Elle est pas à côté, hein, la fontaine. Vache. Temps de traverser la ville. Bop. Hop.
Va voir plus bas. C'est dégueulasse. C'est un succès en plus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Où est-ce qu'elle est cette fontaine? Au milieu de la place publique, je présume. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, la fontaine là-bas. D'accord. Allez. Oh, c'est loin. Et pour sauter, c'est dur. Non, c'est trop loin. Je peux pas m'élancer et boum. Oh, c'est pas cool. Oh là, attends. Ouais, là, je veux bien. Matelas. Nickel. Oh, les pigeons. Ah, tous les pigeons morts. Ah ouais, d'accodac. Oh la vache. Oh, café. Il y a un café. Ouais, mais là, il y a beaucoup de... Oh non, 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 non. Ils sont trop nombreux, là, ça va pas. Je peux pas m'en sortir, là, il y a trop de monde. J'aurai jamais le temps de la goûter. Non, ça craint. Non, 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 non. Merde. Et merde. Je vais me tuer, je vais me tuer. Alors j'aurais pas dû faire l'action sauter et donner un coup de quick. Ah bah c'est solide comme bâche, dis donc. Ouais, j'ai confiance en moi, oui, enfin oui. Ouais. Bah ça va bien, merci le baron. J'espère que toi aussi. Non mais là, il y a trop de monde, là ça va pas... Allez, virez-moi tout ça. Non, mais ils sont 650, regarde-moi ça. Oh là là. Merde, ils sont trop nombreux. Là, j'y arriverai pas. Il y a trop de peuple. Merde, j'ai loupé. Ouch. Ah bah, je l'ai greffé à la fontaine. Elle est bonne, celle-là. Elle est bien bonne. Mais du coup, il va falloir virer la zone, là, parce que ça va pas le faire. Merci. Ça en fait du monde. Allez, endurance, 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 endurance. Pas mal. Oh là 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 là. Ah, il y a une caisse aussi de rice. Oh, je la bois. J'ai obtenu la tasse. La bonne blague. Mais qu'est-ce que c'est que ce défi de malade? Heureusement qu'on est en plein jour. Oh là 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 là. Il allait choper son téléphone. Mais comme il s'est fait... Comme il s'est fait... shipper, attraper par... Merde, j'ai plus d'armes.
parle un zombie, là. Il a pas eu le temps de composer le numéro. C'est rigolo. Oh là 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 là. Non mais c'est impossible. Message de Docteur Boutique. Ouais. Je vends tout dans ma boutique de farce et arnaque. Oui. Excellent. Farce et arnaque, tu la gardes. Elle est bien la formule. C'est exactement ça. Mais... Ouais, je lui fous 4 coups de lame, elle... Elle gicle pas. Non, je suis encastré dans le décor. Non, guenon, guenon, guenon. Guenon. Bon, on revient vers la fontaine parce que... Alors... Santé! Explorer la zone de quarantaine. Pardon. Allez, on dure. J'aimerais bien avoir la caisse de rice là, au milieu de la place. Mais. Oh là 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 là, ils sont pas chiants du tout. Non mais, vous avez vu les paquets au sol? Le nombre de paquets? C'est n'importe. Mais non, mais... Oh. Il s'est planté comme un grand tout seul. C'est ce qui s'appelle une prise de tête. Au niveau du poteau, c'est trop drôle. Elle est bien bonne. Ça fera un beau kiff. T'as pas l'air idiot, toi. Le souci, c'est les... Non, mais là... Là, mon arme, elle coupe plus rien. Là. Bon, c'est pas bientôt fini que je puisse accéder à la caisse peinard. Merci. Alors. Allez, vous êtes les deux derniers. Vous êtes les deux derniers. Alors, la caisse. Vous allez me laisser manipuler la caisse. Merci. Carnage sur place publique. Le nom de l'épisode. Oh là là. Ah bah. Bah. Demi-récompense. Bon, la récompense, c'est... tous les paquets que j'ai à récupérer. C'est... Mon inventaire va exploser. Non mais... Voilà. Regardez le spectacle. Ah, ce bordel! Mais la nuit va tomber, j'aurai pas tout récolté. Faut arrêter quand même. Mais c'est n'importe quoi. Oh là là. Mais je sais même plus où j'en suis là. Aïe 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 aïe. Je sais pas s'il y a des stats vraiment précises dans le jeu. Le nombre d'objets récoltés et tout, mais à la fin, je vais avoir des scores de maboule. Il y en a qui vont croire que j'ai tenté un 100%, ce qui est pas faux, quelque part. Mais, ah bah oui, ça c'est cadeau. Forcément, c'est cadeau. Alors. Ouais, j'allais dire, il va être 13h. Merde, homme. C'est où? Ah! Ah! Yeah! J'ai réussi! Yeah! 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 Oh! De la tunasse!
Ah, c'est une bonne machette, ça. Attends. J'ai dû ramasser des armes de jet, ouais, donc j'en ai rien à péter. Les shurikens améliorés, j'en ai rien à péter. Moi, ce que je veux, c'est la machette. La machette, la 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 la, li li loula. La machette. Allez, allez, à tour de bras, je sais plus où mettre tout ça. Y'en a pas le tout, ma fouée. Mais c'est intelligent de la part du jeu de décharger la mémoire et les graphismes. Au niveau aussi, le nombre de qu'on appelle ça, de macabées, de cadavres au sol. Que rapidement, il substitue un cadavre par son inventaire, un petit paquet, là, comme je les ramasse. Ça évite de surcharger le décor et la mémoire du jeu sur l'ordi, au niveau de l'ordi utilisé. C'est bien. C'est astucieusement bien géré, bien pensé. Allez, buvons, chantez. C'est de la bonne. Ah oui. Soulons-nous à l'eau. C'est la vie. Ta-ra-ta-ta-ta. Revenez demain, j'installe ce qu'il faut pour qu'il y ait des bulles. Et là, vous avez du soda qui gicle de la fontaine publique. Directement rattaché au tuyau de sortie de l'usine de soda. Ce serait délirant quand même. Ce serait... Encore que je dis ça, je me demande s'il n'y a pas une quête de jarre, toujours dans Fallout. Dans le 4, je crois, il y a un truc dans le jarre là. Il y a un contenu additionnel, c'est l'histoire du soda. Et je me demande s'il n'y a pas une quête de jarre dont j'avais lu une critique par rapport à la quête, je sais plus quoi. Enfin, ça me parle, ça me dit quelque chose. Bon, je pense que ma récolte est terminée. Non, j'ai encore des paquets à vue. Oh, oh, oh. Incroyable, mais vrai. Eh, la place n'a jamais été aussi calme. Hein. Profitez. Hein. Ce sera pas tous les jours comme ça. Alors, vu le nombre impressionnant de zombies qu'il y avait, on aurait pu croire que c'était sans fin. Mais non, il y a bel et bien une fin. D'ailleurs, il faudra peut-être que je visite, du coup, astucieusement, le café qu'il y avait au bord de la place. Il y avait des trucs... C'était là-bas, je crois, ouais, pizza. On va aller voir. Tiens, il y a une corbeille aussi, au passage. Ah, il y avait une corde dans la corbeille. Trop bien. Regardez-moi ça. La pizzeria, là. Il y avait un bar à un moment où je m'étais... Il faudrait que je fasse rapidement le tour de la place avant de... Le coucher du soleil. Ce serait intéressant. Oh, tiens, j'ai pas vu. Ah, ça va, le crochetage était pas difficile. Donc, à mon avis, la récompense, elle est... Ah, quand même. C'est moi où j'ai entendu un coup de feu. Il y a eu une détonation. Il y a eu une détonation. Oh ! Oh merde ! Aïe ! J'ai beau me protéger derrière la table et la chaise, j'ai pris des éclats du souffle de son explosion à cet idiot. Oh merde, ils sont sortis. Son chien. Il n'y a rien d'autre autour de la place. Boutique, il y a quoi d'autre? Là-bas, il y a un bar. Ah, c'est peut-être ça que j'ai... Oui, je m'étais encastré dans les tables. Il y avait un truc... Ouais. Il y a du monde dans le bar, visiblement. Non? Oh là là. Stylé. Oh! Un espresso, s'il vous plaît. C'est la machine à café. La machine à café. C'est ça qui est beau. Ah, les jolis coffres. Ah, un téléphone. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Tiens, tiens. Bar, le tuc. Le quoi, le Tucon.
Oh, sympa. C'était un aérophagique là. Bon, sympa la déco du bar. Là, il y a quoi? Non, les excités arrivent. Merde, je suis coincé. Non, non, je vais me barrer. Je vais aller en direction de ma planque. Ouais, les toits. Ma planque peut-être par là-bas, ouais. Hop là, décapitation. À la batte de baseball, crois-moi que ça fait bobo. Ouh, dangereux la config. À tel point que j'ai assis le grappin, voilà. Oh cool. Oh génial. Je me suis posé comme une fleur. Vous êtes une fleur. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des loustiques de... Un soldat, quel soldat? Faites-lui mal. Ah, le gars de Rice. Allez, connard. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, si. Le survivant est mort, dommage. Dommage. Mmh. Ah, il avait un pistolet mitrailleur, le gars. Donc, attends, la planque, elle est par là. Allez, tu vas pas déjà abandonner. Merde, le mec est... Attends, elle est où là? Ah, elle est là, ma planque. Ah, mais non, c'est le truc égout. Oh, j'aime pas être là. Ça devrait pas être considéré comme une planque, je suis pas d'accord. Ils auraient dû changer la signalétique et dire que c'était un accès à un autre lieu. Du coup, ça me perturbe. Oh, merdoum. Où est-ce que je pourrais me... Voilà, là, là-bas, j'ai un truc qui m'intéresse. Allez, hop. C'est par là-haut. Ah, la radio. La radio. Merde, il va faire nuit. C'est pas cool. C'est pas cool, Waoul. Hop là. Hop. Ouais, je peux contourner le truc. Magnifique. Le mec est habile au possible. Ouais. C'est par là-bas. La radio m'intrigue. Radio go go. Tiens. Il y aurait de la vie à la radio. Parce que le coup des plantes. Radio. Mmh. Misère. Intermédiaire. On va. Ah, presque. Oui, il est quasiment 13h. C'est vrai que comme j'ai pas pris de petit déj, là je commence vraiment à avoir la dalle. Là, la porte là, non. Il n'y a pas de clanche. Je peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Bizarre, cette radio. Je peux aller sur le pylône. Far Cry. Ah ouais. Il y a une ambiance à la Far Cry. Allez, descends. Parce que... Aïe, mince, il s'est tordu la cheville. Mais il y a peut-être un succès au sommet. Je suis pas là. Rice qui revendique la radio, c'est malin. Ah. Non, il y a rien. Non, il y a rien.
Il se fait mal, mais par petit bout, je limite mes blessures. Voilà, c'est fait. Il est 13h. J'ai hâte d'aller manger, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une tente de quarantaine, apparemment. Oh non, l'excité qui m'a retrouvé. Allez, descends, va voir plus bas si je suis. Voilà. Oh, oh, cette chute. Elle a chuté dans les... Dans les barbelés. Ah, il y a un appart là-bas. Non, mais... Voilà. Et c'est pas une planque. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça aurait mérité que c'en soit une. Ou alors Tomb Raider demain en début d'après-midi, ou alors si on est ensemble, peut-être un golf. Aussi, mini golf, ce serait. On va voir, on verra. Ouais. Alors, oh là là, ah le kiosque, ouais. Ouais, mais il va y avoir des rapaces. Je me barre parce que je vais me faire choper. C'est bien, je refais ma vie au maximum. Au maximum de possibilités. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Oui, ça aussi, c'est bizarre que c'est pas compté pour une planque. Franchement, ça, là, c'était une config idéale pour se planquer. Merde. C'était une config idéale. Oui, Arte, c'est la nuit. Je sais. Arte, c'est la nuit. Bon app, à plus tard, Christella, merci. Ouais, ouais. Ouais, je vais pas tarder à mettre les clips au pifomètre et savourer mon croque-monsieur de mon côté. Ah, la planque, elle est là. D'accord. Eh ben voilà! Avec un vendeur, que demande le peuple? Que demande le peuple? La la li la li loula. Oh là là! 14 300 $. J'ai pulvérisé mon record de vente d'objets. Pouah. Énorme. Aïe, 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 aïe. Énorme, énorme, énorme. Allez, déposez-moi tout ça. Que je me vide les poches pour la prochaine partie. Je sais pas quand, peut-être le week-end prochain, juste le samedi. Parce que je serais pas censé être là le week-end prochain. Pardon. Oula. Il y a une fusion d'objets là, c'était... Bon, c'est cool, c'est sauvegardé. C'est sauvegardé si je vais dans le plumard, je crois. Voilà. Eh ben c'est bien, on va se mettre là... La compile des clips... Enfin, la compile, c'est pas le vrai bon terme, puisque je vais mettre des clips au hasard.
Mais moi, ça va me permettre de me restaurer peinard. Et puis, sorti de là, un peu avant 14h, hein, je vais pas mettre une heure à manger. Sorti de là, on va se faire un peu de Sonic Mania pendant une heure et demie. Et après, on file chez FunFan. Donc moi, je vais vous dire à tout de suite. Enfin, tout de suite. Oui, voilà, bougez pas. Vous allez voir des échantillons d'humour concentré que sont les clips. Je coupe l'enregistrement pour YouTube.